Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je suis à la Paris Games Week. Donc on va faire une visite du salon. Je vais faire quelques images, il n'y aura pas de son. Je vais mettre sur une petite musique d'ambiance parce que je pense que le son il passera pas très bien. Donc voilà, je vous laisse sur ces quelques images et on fera un débrief après à la maison. Allez, ciao. Pikachu, le héros de mon enfance, quoi. Incroyable. Là sur les stands de vente, c'est abusé, les figurines c'est magnifique, mais il y a trop de choses là. Regardez ça, regarde. Retour à la maison. J'ai pris quelques notes
parce qu'il y a 2-3 trucs à dire sur cette Paris Games Week. Donc c'était la première fois que j'y allais, moi, et je suis content d'y avoir été. Maintenant je pourrais dire j'ai déjà été, mais ça n'a pas été pour moi une expérience de fou. Alors déjà, première chose, déjà parce qu'il y avait trop de monde, donc on pouvait pas tester tous les jeux. Il aurait fallu faire ça sur plusieurs jours. Ça c'était déjà quelque chose, déjà trop de monde. Et surtout, ce qui m'a choqué, c'est la saleté des locaux. Le sol était rempli de merde, il y avait des papiers partout. Tout le monde jetait les papiers par terre, enfin je sais pas, ça avait l'air de gêner personne. T'avais des pauvres mecs qui couraient partout avec des chariots là pour essayer de nettoyer, enfin c'était vraiment dégueulasse. Bon, passé ce détail, enfin ces détails, ça reste quand même un événement où voilà, tu vois plein de choses, t'as des lumières plein la gueule, il y a moyen quand même de tester des jeux en avant-première. J'en ai testé, je vais vous en causer tout de suite. Ah oui, voilà. Alors, sur mes notes, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai marqué l'énorme présence de Fortnite. Qui, ok, alors c'est un jeu qui marche bien, c'est un jeu qui rapporte. Mais là, les gars, là, faut arrêter. Je pense qu'il y avait à peu près 300 écrans qui faisaient tourner du Fortnite. Je pense. C'était toutes les consoles, Xbox, PlayStation, PC. Voilà, c'était Fortnite, la Switch aussi. Fortnite, ça n'arrêtait pas. Alors ça, j'ai pas trop compris. Étant donné que le jeu était déjà sorti, je vois pas l'intérêt de remettre du Fortnite plein la gueule aux gens. Tout le monde a l'air de plutôt avoir compris que le jeu, la valeur du jeu, elle est assise, puisque de toute façon, maintenant, ceux qui y jouent, ils y jouent depuis longtemps. Je pense que les microtransactions fonctionnent bien. Enfin, je comprends pas le gros coup de pub pour Fortnite, j'ai pas trop compris. Enfin, voilà. Il y avait un énorme stand aussi, où il y avait une tyrolienne, où voilà, donc ça, c'était vraiment gros coup de pub. Les gens faisaient la queue, il y avait 2 heures de queue pour aller faire... Je l'ai pas fait. Pour aller faire un tour de tyrolienne. Ça, c'est... Ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas... Moi, ça m'a vraiment pas emballé. Et ça aurait pu laisser la place à plein d'autres jeux. À des petits éditeurs, etc. Enfin, ça aurait pu... Mais sinon... l'ambiance globale du truc, c'était plutôt bon enfant. Il n'y avait pas de bagarre. Pas de trucs bizarres. Enfin, je veux dire... c'était plutôt sympa. L'événement, il était plus tourné sur le choc, on va dire. Les jeux avec des cadeaux, des trucs à envoyer dans le public. C'était très foire. Voilà. Plus que, on va dire, que ciblé vraiment sur le jeu vidéo, c'était vachement foire, goodies. On envoie des t-shirts, on envoie des... Enfin, ça, après, c'est bien pour les plus jeunes, mais... Moi, ça m'a pas trop attiré, ça. Mais il va y avoir des points positifs, hein, quand même. Mais disons que quand on paye 19€, on s'attend quand même à quelque chose derrière. Plus la route, parce que moi, j'avais quand même un peu plus de 200 km. Donc, bon. On s'attend quand même à quelque chose. J'ai eu ce que j'attendais. Hein. Mais bon, au départ, c'était quand même ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, alors, les boutiques, parce que moi je suis arrivé, j'ai traversé direct, j'ai été à côté du stand Fortnite, pardon, et j'ai été aux boutiques. Et les boutiques, comme vous avez pu voir dans les vidéos là, c'est un truc de fou. Les prix sont vachement attractifs, c'est un peu moins cher que sur internet. Alors on peut toujours trouver moins cher, mais je veux dire, c'est quand même globalement à la barre du bas plutôt qu'à... au prix haut. Donc moi ça, j'ai trouvé ça cool, mais par contre il y avait trop de choses. Je voulais m'acheter une figurine, je me suis dit tiens, je vais me prendre un petit truc pour avoir un souvenir. Au final, j'ai rien acheté. Il y
Il y avait trop de choix. Il y avait beaucoup trop de choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai marqué... Ah oui. Alors voilà. La présence de beaucoup de monde fait que les gros jeux, tu peux pas les tester. C'est pas possible. Parce que t'as fait de la route, parce que t'as envie de faire le tour du salon, et parce que si tu veux tester un jeu, bah pour 5 minutes de gameplay, t'attends pendant 3 heures. Donc j'ai pas pu tester Metro Exodus, que je voulais vraiment tester. Il y avait trop de monde. Et les écrans étaient cachés, alors je l'ai même pas vu tourner. J'ai pas pu non plus pour Death Gone. Ça c'est dommage. Mais par contre, j'ai vu tourner pas mal de jeux. Et je suis bien content. J'ai été mis d'accord sur Pokémon Let's Go. Parce que au final, Pokémon Let's Go, ben. C'est en fait c'est Pokémon Go mais en jeu. Donc ils ont refait une map et tout, c'est un peu à la Pokémon Colosseum, hein. Donc on se promène sur une map en 3D, c'est super beau. Mais c'est comme dans Pokémon Go, on voit les Pokémon sur la map, on se dirige vers eux pour aller les attraper. Il n'y a pas de combat pour les affaiblir. C'est on envoie la Pokéball comme dans Pokémon Go. Alors, j'ai été hyper déçu. Là, le jeu m'a vraiment déçu, mais au plus haut point, quoi. Bon, même si je m'attendais pas à un truc, je m'attendais pas à un Pokémon Colosseum, parce que c'était pas annoncé comme tel. Il y a un vrai Pokémon RPG qui sortira plus tard, qui a été annoncé. Celui-là, c'est clair que celui-là, il va tout déchirer. Mais alors là, j'ai été déçu. Déçu, l'intérêt, il baisse. Il prend une claque, l'intérêt, je trouve. Mais bon. Au moins, ça met d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, vous avez pu voir dans les vidéos que j'ai été sur deux stands rétro gaming. Donc, il y avait MO5 et puis il y avait Rétro vers le futur. Voilà, donc il y avait moyen de jouer à quelques petits jeux, c'était sympa. Beaucoup de gros noms. Il y avait un Bomberman à 10 avec le petit hub Bomberman là. Donc ils étaient à 10 sur un rétroprojecteur, sur un grand écran. C'était vachement cool. J'ai regardé un petit peu la partie, c'était bien sympa. Bon après Bomberman c'est une valeur sûre. Hein. Tu peux pas te gourer en faisant un multi sur Bomberman. Quoi. En plus à 10, c'était quand même excellent. Ça j'ai trouvé hyper cool. Après les stands rétro, il y avait une grande variété de consoles. Il y avait tout, il y avait de la Neo Geo, il y avait de la Dreamcast, il y avait, il y avait de la Master System, il y avait de la N64, il y avait tout en fait. Il y avait tout ce qu'on pouvait, toutes les, on va dire les plus connues quoi en tout cas, et avec plusieurs jeux par console. Alors je sais pas quand ça a changé, parce que moi j'y suis resté une demi-heure, puis après je suis parti, mais c'était vachement cool. Ensuite, où est-ce qu'on est passé? Ah oui, donc c'était rigolo parce qu'on s'est cru un peu au Japon quand on est passé et puis qu'il y avait tout le monde qui dansait devant le stand Just for Dance. Je me suis dit, c'est très rare de voir ça quand même, les gens qui dansent dans la rue. En France, c'est plutôt rare. Et c'est vrai que ça, c'était la première fois que je voyais ça, donc c'était sympa. Quoi d'autre? Alors oui, après je suis allé sur le test, sur le stand Made in France. Et là, j'étais bien content. Il y a eu des jeux qui m'ont vraiment plu. Donc j'ai pu tester, j'ai pu voir tourner en tout cas Dwarf, qui est un jeu en fait où on est sur un cygne et on doit charmer des canards et les ramener dans une espèce de cabane, je sais pas quoi, enfin bref, pour marquer des points. C'est un jeu en multi, c'est hyper nerveux. Même si l'intérêt d'aller charmer des canards pour marquer des points, alors effectivement, on va dire que le pitch, c'est pas le meilleur, mais en tout cas, le jeu était bien nerveux. En multi, c'est vraiment. Je pense qu'il y a moyen de se fendre la gueule. Donc il y avait ça. Il y avait quoi encore? Call of Cthulhu.
Call of Toon, alors je sais pas si c'est le même jeu qui était sorti sur Xbox. Mais en tout cas, il présentait ce jeu-là. Il y avait aussi Nohara, qui est un genre de. C'est un genre de RPG. J'ai pas vu beaucoup de gameplay, mais bon, ça avait l'air d'être ça. J'ai pas trop compris le système de jeu. Mais je l'ai vu tourner, c'est plutôt beau, les couleurs sont sympas et tout. Enfin, maintenant, avec les consoles current gen, de toute façon, tu fais des jeux avec des palettes de couleurs qui sont hyper larges. Qu'est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu Fear Effect Reinvented. Et celui-là, il est plutôt beau, même s'il reste dans la lignée, on va dire, des graphismes un peu à la PS1, quoi. Mais plutôt sympa. Sympa, c'est mon mot, hein. Vous aurez remarqué. Altero. Altero. Alors justement, en plus, j'ai pu discuter avec un mec du stand sur ce jeu. Et en fait, Altero, c'est un jeu vraiment à la Limbo. Pour ceux qui ont aimé Limbo, donc c'est le jeu avec le petit personnage qui doit récupérer sa sœur en noir et blanc là. Donc Limbo est magnifique ce jeu. Et il y a plein de casse-tête à faire et tout. Enfin, et ben là c'est pareil. Sur Altero, c'est pareil, il y a un petit peu plus de couleurs. C'est un peu style un peu zombie comme ça. Mais Altero, bien, bien sympa. J'ai pas demandé le pitch, j'ai rien demandé de l'histoire. Mais en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que le gars m'a dit qu'il y avait une trame principale avec des variations de difficulté. Où là, bon, le joueur va pouvoir faire le jeu. Et après, pour ceux qui veulent vraiment se casser la tête, il y aura un mode défi. Où justement, là, par contre, il y aura des casse-têtes vraiment compliqués. Et là, il y en avait un en démo. J'ai pas pris le temps vraiment de trop réfléchir, mais c'était quand même, c'était assez tendu quand même, de ce que j'ai pu voir. Voilà, après, bon, sur les stands Made in France, je suis pas resté extrêmement longtemps, parce qu'on est vite passé du côté des écoles. Alors, il y avait les écoles de jeux, alors, donc il y avait les écoles de sculpture, une espèce de sculpture en pâte à modeler, elles avaient un Bane, donc en démo qui était magnifique. Bon, après, c'est un niveau, je pense que ça fait flipper, hein. Les mecs qui veulent s'inscrire, ils arrivent, ils voient la sculpture de Bane et ils doivent se dire putain, le niveau de ouf quoi. C'était vraiment super sympa. On a pu discuter un petit peu avec les gens justement des différentes écoles. J'ai été étonné du nombre d'écoles, c'était fou. Autant dans la 3D, après dans l'animation, dans le dessin. Dans la modélisation via les sculptures, tout ça, enfin, c'était vraiment, vraiment sympa à voir. Il y avait aussi des développeurs, des gens qui, avec tout ça, donc faisaient des petits jeux. J'ai pas retenu le nom de l'école, ça fait chier, mais il y avait un beau petit jeu sympa. Alors, apparemment, des premières années, ils avaient réussi à développer un petit jeu, c'est une toute petite map. Et c'est un personnage qui est en papier à carreaux, et donc qui se déplace dans un petit monde de papier en carreaux, puis avec la souris on peut couper les arbres et tout ça. C'était sympa, l'animation était cool, c'était un petit peu à la un peu à la Adobe Flash quoi, l'animation, ça faisait vraiment ça. Mais c'était voilà, avec des traits plutôt grossiers, mais c'était vraiment cool, c'était beau quoi. Enfin voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre dans mes tests? Oui, j'ai pu tester Aces of the Love to Waff Squadron. Alors, je sais pas si je prononce bien. C'est un shoot'em up sur la Switch qui sortira, je sais pas quand. Mais en tout cas, on a joué, on s'est fait une petite partie à deux joueurs sur un shoot'em up plutôt sympa qui sortira. Des petits jeux comme ça qui sont plutôt plaisants. J'ai aussi joué à un jeu de mouton. Alors j'ai rien compris. Alors là je suis désolé, je suis obligé de le dire quand même parce que j'ai joué à un jeu de mouton. Bon. Voilà, sans plus. Bon après j'ai vu tourner quand même Soul Calibur 6. Terrible. Ori, le 2. Ori magnifique. Ori. De toute façon, il n'avait pas le droit de se planter sur Ori parce que. Voilà, c'est. Ori, c'était quand même un beau jeu. Après, il y avait quoi? J'ai dû tourner quoi?
Jump Force, pareil, magnifique. Le Pokémon Go, j'ai dit aussi ce qui me déplaisait. J'ai vu tourner aussi le Smash Bros, le prochain. Il est beau. Hein. Je suis pas fan de Smash Bros, mais super beau Smash Bros. Après, il y avait quoi? Il y avait du Naruto, il y avait beaucoup de jeux à grosse licence. Mais bon, c'est pareil, hein. Grosse licence, gros sous. Et en général, au niveau des graphismes, ça envoie. Après, c'est vrai que pour le peu de gameplay qu'on voit, on peut pas savoir si on va être captivé par le jeu ou pas, mais en tout cas, graphiquement, ça envoie. Quoi. Ça pète vraiment. Après, il y avait des petits tournois sur différents jeux, donc ça c'était sympa, j'en ai fait aucun. Mais bon, c'était rigolo, il y avait du Mario Kart, il y avait. Justement, il y avait du Soul Calibur, il y avait du Naruto aussi en tournoi, enfin il y avait pas mal de choses qui étaient plutôt sympas. Puis il y avait du Fortnite, forcément. Il y avait du PUBG aussi. Il y avait une grande salle PUBG avec une grosse LAN, je sais pas de combien de places, hein. Mais c'était plutôt cool. Voilà, et après voilà. Alors, j'ai pu tester en VR un jeu qui s'appelle Space Junkies. C'est un jeu de tir, donc on vole en fait dans la map. Les graphismes sont plutôt simplistes, il n'y a pas énormément de détails, mais par contre la jouabilité, la sensation de vide et tout, c'était vraiment impressionnant. C'était la première fois que je mettais le casque VR, j'avais juste mis une fois, c'était le PS4 VR le simulateur d'aigle là, ou je sais pas quoi, enfin d'oiseau, je l'ai fait juste ça une fois. Puis il m'avait pas. C'était cool, mais bon, surtout déjà c'était une petite expérience quoi. Et là c'était bien approfondi et tout, avec les tirs, machin, on pouvait saisir les objets. C'était vraiment bluffant quoi. Je suis donc bien content d'avoir testé ça. Et donc voilà. Voilà pour tous les trucs. Bon après, on aurait pu passer plus de temps pour attendre un jeu ou un autre, mais bon franchement je pense que ça valait pas la peine de se priver de la visite complète pour attendre un jeu quoi. Voilà, je trouve ça un peu dommage, mais globalement je pense que la Paris Games Week, il faut y aller une fois pour voir ce que c'est. Après on va dire que pour quelqu'un qui est passionné du jeu, qui veut vraiment découvrir des nouveaux jeux, etc., c'est très frustrant quoi, parce que déjà t'as pas le temps de te faire au gameplay, etc., qu'il faut déjà laisser ta place, et ta place tu l'as attendu pendant 3 heures quoi. Donc c'est dommage parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire quoi. Je sais pas comment ils peuvent arranger ça, parce que vu l'affluence, à moins de le faire sur 2 semaines, ça pourrait peut-être régler un peu le problème, mais bon, ouais, c'est un coup, enfin bref. Voilà, je suis content d'y avoir été, mais je pense que j'irai plus de sitôt. Franchement. Donc voilà, c'était mes impressions sur la Paris Games Week. Voilà, donc en attendant maintenant les sorties, ouais, je pense que Le Ori là, je l'ai vu tourner, vraiment ça m'a plu. Hein. Et le Jump Force aussi. Je pense que c'est les deux jeux vraiment là que j'attends. Quoi. Ouais. Ori et Jump Force. Ouais. Donc voilà. Amusez-vous bien et puis à plus. Allez, ciao. Bye.